Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je vous ai montré tout simplement comment faire avec MX Linux KDE afin de pouvoir copier des choses ou supprimer des choses dans les dossiers auxquels on vous refuse l'accès. Donc moi, j'ai trouvé de cette façon. Maintenant, je ne suis pas une tête à Linux. Donc faites ça avec précaution, n'allez pas n'importe où. Après, éventuellement, ce dossier qui est live, il y a un dossier qui s'appelle live ici quelque part. Alors je ne sais plus où, ici. Alors celui-ci, il avait un cadenas, parce que là, je suis en train de tourner en live, hein. Ce n'est pas installé, hein. Donc ce dossier-là, il avait un cadenas. Donc j'ai supprimé le cadenas parce qu'il me refusait l'accès. Alors il y avait un cadenas dessus. Alors bien entendu, j'ai regardé avant quels étaient les droits d'accès. Donc j'ai fait un clic droit dessus. J'ai fait propriété. Et là, droit d'accès. Ah ben, je me rappelle plus. Je ne vais pas vous dire de bêtises, donc je ne me rappelle plus. En tout cas, il y avait bel et bien un cadenas, ici. Alors, ce que j'ai fait, ben, j'ai fait ça. J'ai fait donc action d'administration et j'ai fait attribuer à l'utilisateur. Alors, j'ai trouvé de cette façon à faire pour pouvoir faire des choses, puisque apparemment, toujours ici dans les services, le service OpenASROT. Donc je vais vous faire voir, j'avais déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Donc je me suis dit peut-être que ça a été corrigé, mais non, apparemment non. D'habitude, si vous voulez, on fait hop, un clic droit ici, et on peut avoir ici OpenASROT. Voilà, on ouvre carrément tout en administrateur, en super administrateur. Mais là, si vous voulez, quand vous mettez ici, quand vous venez dans configuration, vous allez dans service. Ici, là vous voyez, on n'a pas OpenASROT ici, on a attribué, etc. Mais il y a des termes, je ne sais pas ce que ça veut dire. Attribué, ok, mais voilà, je suis pas assez technique pour vous dire la différence qu'il y a attribué à root et attribué à l'utilisateur. Bon, il y a attribué à des petits points, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est sûrement peut-être là attribué à. C'est au cas où il y a plusieurs sessions sur l'ordinateur. Si vous êtes plusieurs à utiliser l'ordinateur, donc dans ces cas-là, peut-être qu'après, il va vous demander, il faut confirmer le nom de la session. C'est sûrement ça. En tout cas, là, on ne l'a pas. Vous voyez, mais on va dans service. Même si je fais télécharger ici, même si je fais ça. Erreur réseau, ça peut arriver des fois, je sais pas pourquoi ça fait ça. Des fois ça fait ça, alors c'est pas souvent, mais ça le fait des fois. Ah, c'est remis maintenant. Voilà, d'habitude on met celui-là. D'habitude je mets celui-ci, il fonctionne bien. Mais là il fonctionne plus. Vous voyez, il n'est pas installé. Et même si je l'installe ici, vous voyez, hop, ça fait ça. Hop, là. Apparemment, il est installé puisqu'on n'a pas de message d'erreur ni rien. Et en plus, on peut cliquer sur désinstaller. Donc là, ben, on pourrait croire que c'est installé. Mais si on ferme, on n'a toujours pas ceci. Voilà, d'habitude, c'est par là. Et là, on l'a pas. Alors, je ne l'ai pas vu. Normalement, il n'y est pas. Action, administration, non. Non, il n'y est pas, il n'y est pas, il n'y est pas. Même si je redémarre, normalement il n'y sera pas. Enfin, j'ai vérifié avant, il n'y sera pas. Bon, bref, ça ne fonctionne pas. Avant, ça fonctionnait. Bref. Donc, la solution que j'ai trouvée pour pouvoir donc éventuellement faire des choses avec précaution, bien entendu, eh bien, c'est de cette façon. Après, si vous avez envie de remettre les droits d'accès comme c'était, je ne vais pas me prononcer là-dessus parce que j'ai pas envie de vous dire de conneries.
En tout cas, je suis sûr et certain que ce dossier-là, il avait un cadenas. Mais voilà, admettons, ce dossier-là, je vais lui refoutre le cadenas. Mais le problème, c'est que vous voyez là. Alors, ça doit pouvoir se faire ici. Alors, c'est peut-être là. Peut uniquement consulter le contenu. Non, ben ça ne doit pas être là parce que moi, il me refusait l'accès. Et voyez là, si je mets sur pas d'accès, je sais pas ce que ça va faire. Je vais essayer, mais là, je vous dis, là, je suis pas sûr de ce que je fais. Donc, si par exemple, je mets pas d'accès, on va essayer, on verra bien. Hop, on fait ça. Bon, là, vous voyez, il y a un cadenas. Le cadenas, il s'est remis. Si j'ouvre, bon, pour l'instant, ça fait ça. On va faire ça. Toujours le cadenas. Voilà, normalement, ça doit faire ça au début. Bon, vous ne l'avez pas vu, mais moi, je l'ai fait hors vidéo. Ça me faisait ça. Et ce que j'ai fait, je vais fermer là. J'espère que ça ne va pas déconner, parce que des fois, quand je dis ça ne va pas déconner, c'est que des fois, il m'est déjà arrivé de faire des manipulations. Et lorsque je veux ouvrir l'explorateur ici, Dolphin, j'ai un message d'erreur qui me dit la commande, je sais pas quoi, ne trouve pas la commande, etc. Bon, j'ai rien compris, c'est pas grave. En tout cas, voilà ici, racine. Donc on a toujours ici, on a ça. Donc si maintenant je fais ce que j'ai fait hors vidéo, je vais le refaire. Propriété, droit d'accès, propriétaire, peut consulter, etc. Je ne touche à rien d'autre. Je ne coche même pas ici. Seul le propriétaire peut renommer et effacer le contenu du dossier. Bon, je ne vais pas cocher ça, puisque ici, propriétaire peut consulter et modifier le contenu. Bon, on va faire ça. Si j'ouvre, ok, ça fait ça. Donc là, il me laisse aller dedans sans problème. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner comme ça. Je vais le remettre comme il était, par précaution. Ou peut-être que je vais le laisser comme ça. Si je le laisse comme ça, est-ce que ça va faire quoi, quelque chose ou pas? Alors, je vais minimiser ça. Alors, je me méfie parce que des fois, comme je vous dis, une fois j'ai fait ça, j'ai fait pratiquement les mêmes manipulations et ça m'a. Voilà, quand j'ai voulu ouvrir l'explorateur. J'avais un message d'erreur. Bon, je ne comprenais pas le sens. Je ne comprenais pas trop le message. Je ne voyais pas le rapport avec ce que j'avais fait. Je ne me rappelle plus ce que j'ai fait. Je sais que j'ai fait des choses similaires. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Donc là, je vais le remettre comme il était. Mais comme je vous dis, attention, ne faites pas n'importe quoi. Je vais le remettre comme il était. Pas d'accès. Ok, je ne touche à rien d'autre. Ok. Rafraîchir le bureau. Je ne sais même pas si du fait de rafraîchir le bureau, ça fait quelque chose, mais bon, bref, c'est pas grave. Racine, live. Voilà, bon. Là, c'est d'habitude, par défaut, c'est comme ça. Alors, comme voilà ce que je veux dire. C'est un exemple, hein. Si vous avez, par exemple, un dossier avec un cadenas auquel vous avez envie de faire des manipulations dedans, eh bien, essayez comme je viens de vous faire. Voir. Vous faites ça, action. D'administration, pardon. Alors ne vous trompez pas. Là, comme je vous dis, attribué à. Voilà, le problème c'est que attribué à, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire attribué à ben, un autre compte, etc. Je ne sais pas. Si par exemple je fais ça, c'est pas grave, je vais le faire, on verra bien. Mais ça, attention, hein. Attribué à. Vous voyez, ça fait ça. Si je fais oui. Usure groupe. Alors je vais faire annuler parce que j'ai pas envie qu'il me fasse des conneries. Est-ce que ça va me foutre en l'air l'explorateur? Pour l'instant non. Vous voyez, usure groupe, je sais même pas ce que c'est. Usure.groupe, je ne sais pas ce que c'est. Donc on va oublier ce que que je viens de dire à l'instant, ce que je viens de vous faire voir. Après, libre à vous de le faire, mais voilà, moi je. Alors si je fais ça, ok, ça me fait ça.
côté. Droit d'accès. Voilà, pas d'accès, pas d'accès. Bon, c'est pas grave. Donc, je vous ai fait voir. Et comme je vous dis, la commande ici, celle-ci, je ne vais pas me prononcer. Là, j'ai fait un test. Si je fais modifier les droits d'accès, modifier les droits d'accès, si je fais oui, vous voyez, là, on a ça. On peut faire plusieurs manipulations. Donc, ce coup-là, je fais annuler. Si, par exemple, live, je fais propriété, droit d'accès. Non, pardon, c'était pas là, c'était ça. Action administration, modifier les droits d'accès. Si je fais oui, on a ça. Et là, en fin de compte, vous pouvez sélectionner. Voilà, utilisateur groupe, en fin de compte, c'est ça. Mais je ne sais pas ce que c'est concrètement. Autre, est-ce que groupe, ça veut dire une autre session? Ou alors, est-ce que c'est autre? Spécial, je ne peux pas vous dire. Propriétaire, ben normalement c'est moi. Vous voyez, j'ai le droit de faire lecture, écriture, exécution. Là, je peux tout faire. Mais en fin de compte, là, je n'ai rien fait pour l'instant, si vous voulez. Il faut cocher. Il faut cocher ce que vous voulez faire. Si vous voulez que le propriétaire, par exemple, si c'est moi, par exemple, si je veux faire lecture, enfin lecture, écriture, exécution, je fais OK. Là, il me demande le mot de passe, on verra bien. C'est un essai. Hein. Si je fais ça, là, je peux toujours rentrer dedans. OK. Là, on n'a plus le cadenas. OK. Maintenant, est-ce que si je fais ça, pour l'instant, l'explorateur, ça va. Je touche du bois, c'est bizarre, ça ne le fait pas. Parce que je fais à peu près les mêmes manipulations que j'avais fait. Racine. Donc, si je le resécurise, là, en fin de compte, il me donne le droit d'accès. Alors, apparemment, on peut le faire dans diverses façons, de diverses façons. Si je refais. Propriété. Droit d'accès. Alors, je vais essayer de le remettre comme il était. Pas d'accès du tout. OK. Là, il m'a refoutu le cadenas. Je vais fermer pour voir. Pour l'instant, l'explorateur, on va dire, ne plante pas. Si je retourne là, voilà, il me refait ça. Bon, ça, c'est normal, c'était comme ça par défaut. Donc, je m'arrêtais là. Je vous ai fait voir, grosso modo. Je ne suis pas responsable de s'il y a des trucs. Moi, je vous ai montré. Je ne vous encourage pas de le faire. Moi, je vous fais voir, libre à vous. Ça peut très bien servir, comme là par exemple, si vous voulez copier les autres effets community sur le logiciel Olive, c'est un simple exemple. Après, vous pouvez toujours le faire par rapport à une autre distribution Linux, c'est-à-dire vous bootez sur une distribution Linux live, vous bootez dessus, vous naviguez dans votre vraie distribution qui est sur votre ordinateur, hein, sur le disque dur par exemple. Et là, vous allez dans le dossier adéquat et vous copiez, je pense que ça va bien se passer, et vous copiez donc les effets dans le dossier. C'est un simple exemple, Olive. Hein. Voilà, c'est un exemple. Éventuellement, on peut faire comme ça. Sinon, vous le faites à chaud, comme ça, sur votre PC même. Mais comme je vous dis, voilà, pour l'instant, ça marche pour moi. Après, comme je vous dis, je ne suis pas responsable. Voilà, moi, je ne fais que montrer, ça fonctionne pour l'instant comme ça. Je ne vais pas en rajouter plus, je ne suis pas assez avancé. Donc cette vidéo maintenant est finie. Et puis voilà, c'est tout.